Je me suis planté, planté. Je me suis planté, planté. Et faut tout recommencer, commencer. Oh, je pourrais peut-être faire autrement, mais bon, je vais recommencer de toute façon. De toute façon, je vais recommencer. De toute façon, je vais recommencer. Bah oui, je me suis planté. Voilà. Bon, allez, on recommence. Et ça, hein, pour commencer. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Et comme ça qu'on apprend. Faire et défaire et refaire. Et là, faut pas oublier de faire un autre côté. Et mon papier n'est pas assez grand. Alors, on fait un comme ça. On se déplace sur l'angle là. On essaye de rester droit. Et on continue comme ça. Et on fait ici. Pas si vous voyez grand chose. Là, ce fameux côté que j'avais oublié. Ensuite, il me faut mon fond. Il est toujours pas assez grand ce fond. Là, là, me déplacer un tout petit chouïa. Là, là, et là je fais pareil ici. Là, je fais ici, je fais mon angle. Je me déplace un tout petit peu en essayant de rester bien droit. Et je suis pas bien droit. Là. Donc là, normalement, j'ai tous mes côtés. Bon, de ce qui veut sortir. Si c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Les températures, elles ont baissé. Alors, je ne veux pas laisser ma porte ouverte trop longtemps, ma porte de devant. Parce que là, dans la maison, il n'y a plus que 19. Mais je voudrais pas allumer le chauffage tout de suite. Il y en a. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à l'allumer. Moi, j'ai pas envie. En plus, depuis qu'ils nous ont mis le gaz, bah merci. Hein. Avec l'augmentation, là, enfin bon, apparemment, ils vont geler les prix. Mais quand même. Quand même, faudrait que je fasse. Que je coupe mon angle, là, comme ça. Allez, hop! De façon à pas avoir à le contourner. Là. Donc là, j'ai ma languette. Et là, maintenant, il faut que je fasse mes languettes tout autour de ça. Là. Bon, de ce qui est revenu, il faut que j'aille fermer ma porte. Parce que la température, ça va baisser si je ferme pas ma porte. Là, je fais ici. Ouais, normalement, c'est bon, ça. Ça fait l'angle. Hein. Là, ici. Ouais, bah oui, c'est quand même... C'est... Dommage d'avoir loupé mon truc.
On me concentre pour pas faire de bêtises. Oh là, elle en fait quand même. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça dérape. Ça dérape, rap, rap, ça dérape, rap, rap. Bon, j'espère que je vais pas le perdre. Mince, faut pas se faire mon trait. Que je vais pas perdre mon critérium parce que c'est. Je m'étais acheté un beau stylo plume, je sais pas où je l'ai mis. Il est dans ma maison, mais où? Je perds énormément mes affaires. Et je suis incapable de me souvenir de ce que je fais de mes affaires. Mes affaires, mes affaires. Donc on va recommencer à couper. Oh, je sais pas si je vais y arriver, hein. Oh, ma carte mémoire était pleine, il a fallu que je la vide. Donc je l'ai vidée sur l'ordinateur et puis ensuite je l'ai reformatée. Et puis maintenant c'est le téléphone. Et décidément, j'y arriverai pas ce matin. Hein. Téléphone sonne, je décroche, ça raccroche au nez. Je crois que c'est ma voisine d'en face. Mais bon, c'est peut-être une erreur. Elle a peut-être fait une erreur de numéro, puis elle a raccroché. Ah, ben j'ai laissé allumer. Donc c'était bien ma voisine. Non, faut pas que je coupe l'angle là. Fais pas faire de bêtises. Moi, je coupe le surplus parce que comme ça veut pas coller, quand c'est des tout petits bouts à retourner, ça colle pas. Ça colle sur les doigts, mais ça colle pas sur le papier. Comme ça, c'est des languettes. C'est pas des ganguettes, c'est des languettes. C'est des languettes de... qui vont me servir à coller ma boîte. Donc c'est pas grave s'il n'y en a pas sur l'envers. C'est à l'intérieur de la boîte. Alors, hop. Bon, ben, j'ai toujours pas trouvé mon fameux papier en... avec des dessins de pierre. Je les avais trouvés l'autre jour, j'avais trouvé ma feuille l'autre jour, je sais pas ce que... J'ai dû la changer de place parce que je la retrouve plus. C'est ça ce qui est dommage, c'est que bah, si jamais je change quelque chose de place et puis que je m'en rappelle plus de où est-ce que je l'ai mis, ben bah, voilà, c'est terminé, je trouve plus. Alors, va pas faire de bêtises là. Il a de la l'air. Ah, c'est pas évident. Hein. Entre le téléphone qui sonne, le chien qui aboie, la caravane qui passe. Non, elle passe pas la caravane. La caravane qui passe. Là, je suis en train de couper dans ma languette. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Ouais, ma carte était pleine, il a fallu que je la vide sur l'ordi, après j'ai effacé ma carte, donc là je suis repartie avec le numéro 1. C'est compliqué, oui, c'est compliqué. Puis mon ciseau qui coupe que quand il a envie, essayez de couper dans ce sens-là s'il ne veut pas, mais là je vois rien. Je vais juste enlever le bord là. Du coup, j'ai coupé, mais pas au bon endroit. C'est ça le problème.
C'est vrai que c'est pas un ciseau. C'est un ciseau de cuisine, c'est Tupperware. Tupperware. Bon, bah, ça va le faire. Hein. Il faut que ça le fasse. Et ça, ça se colle là-dessus. Ça se colle pas partout, sauf sur mon papier, sauf là où je veux. Donc là, je vais faire mes plis. Donc j'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon truc. Dudule, il est parti où? Il est là, Dudule. Dudule, il est là. Là. Donc là, je fais mon pli, là aussi. Là aussi. Je me demande si c'est pas... J'ai pris ouais, le bout trop petit. Faut que je prenne le bout un peu plus gros. Parce qu'autrement, ça risque de percer mon papier. Papier, papia, papi, papio. Là, je fais là. La languette. Ici, je sais plus, j'ai pas dû le faire. Comme ça, ici. Et puis j'ai pas dû faire ces petits morceaux-là. Les corbeaux, les corbeaux, les corbeaux bobos. Là. Et là. Hop. 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 Normalement, il me manque rien là, du coup. J'essaierai de mettre un petit dessin, quelque chose pour un peu casser la couleur rouge. Alors là, forcément, j'ai pas mis assez de papier. J'ai essayé de mettre une petite bande de papier. Bon, je vais essayer de mettre une petite bande comme ça. Là, je vais enlever ça. J'essaie de cacher la misère. Si je mets un grand morceau, ça colle. Mais un grand... Ben voilà, j'ai un truc qui m'a sauté à la figure. Là. Du coup, je vais coller ça là. Alors, je colle comme ça, ça fera plus joli. Ouais, je vais le coller sur l'extérieur. Ça fera plus joli. Et je vais venir coller ça comme ça. Je me demande si je me suis pas trompée quelque part quand même. Je me suis trompée quelque part, hein. J'ai pas fait la bonne grandeur. Décidément, j'arriverai pas à la faire cette boîte-là. Je vais refaire un pli plus haut.
je vais rattraper comme ça. De toute façon, ça c'est le bas. Par contre, en haut, ça va être trop court. Bon, faut que je colle quelque chose. Je sais pas si ça va coller ça. J'ai pas fait la bonne grandeur. Il me manque au moins 5 mm. Je me suis trompée. Allez, voilà, ça colle pas. Est-ce que je mets un bout de... Est-ce que je mets ça en plus? Il est là. Il est là, mon truc. Je vais faire pareil, je vais mettre un morceau de... Je vais mettre un morceau de scotch comme ça, double face. Tatali tater. Peut-être à mettre un chouïa de colle quand même. Ouais, j'ai pas fait assez grand. J'aurais dû mesurer ce côté-là pour faire mieux que ça, mais bon. Et là, je vais essayer de coller là. De toute façon, c'est le fond de ma boîte. C'est le fond de ma boîte, et puis ça, après, là, je plie. Et ça, c'est le couvercle, normalement. J'aurais dû plier avant, je suis bête. J'aurais dû plier avant de coller, parce que comme ça, pour faire mon pli, ça aurait été mieux. Voilà. Alors, est-ce que je le colle à l'intérieur, comme ça? Parce que normalement, c'est collé à l'intérieur, hein. Je vais essayer de le coller à l'intérieur quand même. Donc je vais mettre du scotch, double face. Double face. Il me reste de la batterie. Parce que tout à l'heure, ça va être la batterie qui va être HS. Si c'est pour la carte, c'est la batterie. Bon, il fait un temps pourri aujourd'hui. Du vent, de l'eau. Du vent et de l'eau et du vent.
Je vais mettre un petit peu de colle. Là, je vais mettre un chouïa de colle là. Je vais venir le coller comme ça. Comme ça, et puis est-ce que je peux appuyer un peu sur ma languette là, je la mets bien comme il faut, et puis je vais essayer d'attendre un peu que ça colle. Alors pourquoi j'ai fait comme ça, c'est parce que comme c'est une cheminée, j'essaie d'appuyer un peu plus parce que là, ça va pas le faire. Là, comme ça, ça fait ma boîte. Ça fait ma boîte. C'est aussi bien que ça soit pas vraiment au ras. Ça sera plus facile à ouvrir. Et ensuite, ma boîte, je vais venir la coller comme une cheminée, comme ça. Donc j'ai plus qu'à la coller. J'attends qu'elle soit vraiment bien sèche en bas. C'est comme elle est pas, j'ai pas fait assez grand là. Du coup j'ai un tout petit bout de languette. J'ai qu'un tout petit bout de languette pour coller là. Bon, après une fois que ça sera collé, je vais mettre du double face, je vais mettre un bon double face comme ça. Alors, est-ce que tu veux coller ailleurs que sur mes doigts, s'il te plaît, merci. Là. Hop. Coupe comme ça. Je vais voir. Forcément, c'est la colle qui s'en va et pas le papier. Là, je vais enlever le papier. Je vais remettre un morceau de ce côté là. C'est là qu'il faudrait une troisième main. Il faudrait une troisième main. Là. Comme ça. C'est pareil, hein, les doubles faces, bah, j'en ai recommencé un hier parce que je trouvais pas l'autre. Mais il y en a un de commencé quelque part. Là, peut-être y mettre un peu de colle quand même. J'ai mis de la colle Anatole. Et donc je vais venir la coller dans mon angle là. C'est pour ça que j'ai fait un truc d'angle. Youhou. C'est pour ça que j'ai fait quelque chose en angle. Pour que ça soit vraiment bien partout. Donc là, je vais essayer d'appuyer. Il est où mon pliloir ? De par l'intérieur.
que ma cheminée soit vraiment collée. C'est pour ça que j'ai mis du double face et de la colle pour vraiment que ça colle bien. Donc voilà, ça me fait ma cheminée. Alors c'est pas collé comme je veux. Pourquoi herbique comme ça? J'ai enlevé cette boîte. Qu'est-ce qui est tombé? La colle. Donc là j'ai essayé d'enlever cette boîte là. Normalement elles sont pas collées mes boîtes, puisqu'il faut les enlever pour prendre ce qu'il y a dedans. Là pour l'instant il n'y a rien dedans, mais allez, on sent. Soit bien collé. Là, je vais faire tomber mon caméscope si ça continue. Les bêtises, ça n'arrête pas depuis ce matin. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Donc ça me fait ma boîte, ça me fait ma 24e boîte. Donc voilà mes boîtes. Donc hop. J'ai plus qu'à faire les numéros et puis ma déco. Je crois que je vais faire les numéros, la déco, je vais les faire en hors caméra. Parce que je veux mettre des fenêtres, tout ça. Je ferai hors caméra et puis voilà. Donc ma 24e boîte, c'est la cheminée. Je vais voir si je vais peut-être mettre un petit Père Noël dessus ou... Et ce qui est bien, c'est que mon petit défaut là, il est sur ce côté là, donc il n'est pas sur la façade, c'est bien.